vous les vagabonds des saletés comme ça là, au gardien. Normalement même là, normalement parmi les étudiants là même là, si y avait des PDMN c'était bon quoi. Atmo fier. Bah quand tu m'ouvres gros bras là, eh qu'est-ce qu'on a demandé? Car quoi faire au pompé car quoi prêt. Comment qu'a tout pas écalé la gabla? Ouais, nous on est 10, on est comme ça. C'est parce on vous a dit non, c'est parce qu'on vous laisse. Et puis maintenant là, c'est comme ça on va se comporter avec vous maintenant. Comme on parle trop, on dit non, les micros là. Vous avez pris des ailes. Mais vous allez voir. On vous fait descendre. Maintenant là, vous venez à machette là. Vous êtes allé à ça aujourd'hui, non? Vous avez été nettoyé proprement. Tiens, gros bras, qui est étudiant Maïndé. Je ne sais pas s'ils frappent en français. Ouais. Parce que eux là-bas, là, ça veut dire qu'il y a tous les branches là-bas. Ils parlent anglais, allemand. Je ne sais pas si on fait chinois là-bas même. À l'université là. Allez, faut partir. Faut aller sans. Je ne comprends pas les gens quoi. Quand on a mabini viti nous en a eu le mouron, on dirait mabini bien là. Vois-tu André Brouette qui a transporté le loup. Voilà. Gros bras. Hey, on dit, les petits bras là, ils sont trop dangereux. Est-ce que tu as regardé la vidéo là? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui est costaud dedans? Ils sont mes comme ça. On dirait moustique. Il y a un moustique aussi là. Il y a un moustique qui veut tuer micro. Ça a dit frapper le louba. Le nettoyer bien. Et puis, moi, ce que j'ai pas aimé, le fait qu'on le mette dans brouette. Le gars, il est venu en voiture. Ah ouais, bah, il faisait chaud. Décapotable. Ils l'ont mis dans le décapotable. Et puis, moi, je disais pas. Non, j'ai étudié un courageux. Voilà, bien. Comment? C'est-à-dire, un gars comme ça, là, tu lui donnes, lève-toi en partie. Mais tellement ils sont ivoiriens dans le sang, ça là, je sais que si c'était les microbes là, non, c'est un gars qui a des voix. Ah voilà, les Ivoiriens, ils ont arrêté les microbes et le transporté dans brouette décapotable. Voiture silencieuse. C'est silencieuse, non? Voilà, voiture silencieuse. Et maintenant, là, on m'a dit, you know, m'angle fort. Mes frères, allez, brouette, il est trop anglais là. C'est-à-dire, j'imagine quoi. Bah, les gros bras comme ça là, ils ont petit kiki comme ça et puis ils ont beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, toi, tes enfants sont couchés à la maison et puis on te voit à la télé dans brouette. Ah, mon frère, tu es devenu sac d'oignon, waouh! Ou bien sac de riz. Tout ça là, Dieu est en train de te montrer qu'il y a plus fort que toi. Nous, on n'a jamais pensé même à ceux-là même. Hé, hey, si tu me touches, et Allah, ni kassema. Pata là. Et puis aujourd'hui là, on est deux. On est deux. Mon ami va attraper ton pied gauche là. Et puis il était frappé comme de la manière. Ils ont frappé le gros bras là. Ils vont te voir dans brouette. Moi-même, il était là quoi. Il dit, mais ils font quoi comme ça? Et puis les étudiants, ils ont tout là-bas. Hein. Ah. Et il y a un qui dit que, ouais, que gros bras allait distribuer. Toi, tu ne comprends pas français. Tu n'as pas l'argent. Que j'étais venu distribuer ordinateur. Tellement ils sont RIDP dans le sang, mensonge. Hein? Quand on était venu distribuer ordinateur, c'est satellite. Ah, ok, ok, game. Si nous voyons à Etani. Oh. Ouf quoi. Moi, t'es ouf. Vas-y. Tu as tout une toi, Etana, il est. Imaya. A consigue Begbella, tu es. Tomro ba brouette il a galo. On dit a galo encore dit. Hein? Non, a galo brouette mo nous dove kerani. O veta mo anyo brotan. Oh. On faut que pleurite colada kan lo. Moi il casse le trou hein. On dit il a frappé d'Aoko.
frappé des microbes. Non, c'est là. Ils l'ont frappé, juste ça, il est découragé. On dit, mon ami, hé, hey, t'as monté dans le truc là. Il dit, aidez-moi. C'est-à-dire, bœuf là, ils ont tout cassé. Nous, on n'est pas violents. Hein. Toi, tu vas aller rentrer au campus et puis tu crois que tu vas sortir comme ça, comme un bluff. Mon frère, là-bas, les vrais nous, ils sont là-bas et puis ils sont intelligents. Ça encore, tu as eu la chance. C'est les gars qui t'ont frappé. T'as vu, non? Nos forces spéciales là, les forces spéciales dans la Saint-Matra là. T'as vu, une fois, il y a une go qui a giflé un là. Si le go là sortait là dans l'univers, autre mifrao, Naroma, qu'on est trop puissant, microbe. Qu'on dit à Dona le bain, si on a assez qu'on attra, à la maquona, un à foutre, baisse mengue dans la boule, qui un à aukram la calabo, calafonka. Et nous, je suis trop content. Parce que eux, non, ils ne comprennent pas quelque chose. Ça dit soulever poids là. Parce que le poids ne se bat pas avec toi. Soulever poids et puis frapper quelqu'un là, c'est pas la même chose. You know? Ça, c'est en anglais. Ça, quand il dit you know là, ça, c'est en anglais. Ni si ni quoi, allez-y encore. Toi, un voyou voleur, que non, on était venu distribuer ordinateur. Adien, t'es là. Adien. Il y a deux fonds là, moi, je vais écouter. Microbes qui distribuent ordinateur. Hein? On dit il y a des trucs, souvent comme ça là, quand il y a virus dans l'ordinateur là, il y a antivirus. Donc il est mis, il reste robot. Il y a ni loin ni nous, les tchèques, 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 nous, D'accord. Réponse. Oui. Moi, si c'est les politiques, tout ça, moi, je ne fais pas la politique. Mais c'est ce que. Et puis, bizarrement, au moment où les gens sont en grève, c'est à ce moment-là que le gouvernement t'envoie pour aller remettre l'ordinateur aux gens. Hey, vous pensez que nous, on est cons? Imbéciles. Sauvages. Il ne sait pas comment. Coca, il est où? Adieu. Tiens, il faut agrandir l'écran, s'il te plaît. D'accord. Il croit qu'ils sont bêtes. Voilà. Regardez, écoutez. Il ne sait pas comment. Koukran, il est où? Ah, yeah, c'est lui là qui envoie l'ordinateur. Là, écoutez. Oui, voilà, c'est les mots qui étaient assis même. Il m'a dit. On doit aller au campus. D'accord. Moi, si c'est les trucs politiques, tout ça là, moi, je ne fais pas la porte. C'est ce qu'il prêche sur Facebook. Voilà. Et non, c'est pareil, remettre les ordinateurs aux étudiants. Hein? Tiens. Aga, maintenant, est-ce que j'ai menti? Voilà quelqu'un, toi-même là. C'est-à-dire, toi-même, tu ne te comprends pas d'abord. Les gens vont aller t'appeler. Au moment où les gens sont en train de gréver, ils ont lancé mot d'ordre. Et c'est ce jour-là, toi, ils vont aller t'appeler pour dire non, petit, comme tu es maudit là, viens aller te faire sacrifice. Vous allez comprendre maintenant. On ne va plus vous laisser faire. Hein? Parce que nous-mêmes, on sait que si vous là, si vous nous gagnez là, on est mort. Donc, on va pas se laisser faire. On passe les CV. Et puis vous les étudiants là, je vous dis quelque chose. Hein. Vous avez vu l'université. Si ce n'est pas Congo a détourné l'argent, il a mangé. Quand vous êtes quand vous êtes au coup. Quand vous êtes au coup là, vous voyez quand il pleut là, vous êtes mouillé dans la salle. Il n'y a même pas de banc. Il n'y a même pas de toilette. Vous n'avez rien là-bas. Donc, si vous pensez que, parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire, là, de notre pays, là, on dit c'est vous. Et c'est vrai, partout c'est comme ça, c'est vous, c'est les étudiants. C'est vous qui allez remplacer les Sorokium, les blés goudés, les quoi, les, voilà. Donc, c'est à vous. Si vous voulez vraiment avancer là, c'est que vous avez commencé là. N'arrêtez pas, hein.
Parce que vous aussi, là, vous pouvez sauver la Côte d'Ivoire. Sans que les armes ne rentrent en jeu. Parce que eux, là, on n'a qu'à les laisser utiliser les armes. Si vous sortez, là, on va avoir plus de force. Vous avez compris? Donc, c'est votre avenir qui est en jeu. Moi, je suis Cramerodon, je m'en fous. Voilà, je viens, et puis, Dieu merci, moi, aujourd'hui, je suis spécialiste dans direct. Mais direct, je cafoule, et puis voilà, je critique le président, mais vous, là, vous n'êtes pas capable de faire ça. Donc, vous, là, normalement, c'est vous, nous, là. Parce que si on sort, nous, on est Cramerodon, ils vont nous tuer. Et la France ne va rien dire. La communauté internationale ne va rien dire. Mais si c'est vous là, ils vont dire non, les étudiants. Ou bien on dit, ah. Et c'est les étudiants qui changent tout. Donc on compte sur vous. Je ne vais pas cacher. On compte sur vous. La Côte d'Ivoire compte sur vous. Voilà. C'est pas moi. Moi, j'ai gagné mon SMIC ici déjà. Ça va. T'es mis plus qu'il a. J'ai chaud. Maintenant, vous les étudiants là, ce boulot là, parce qu'aujourd'hui, parmi vous là, il y en a plein qui m'ont envoyé vidéo, qui m'ont donné les sons, tout ça là. Comme moi, j'aime pas trop travailler avec ce qu'on me donne là. Donc j'ai vu que, et puis vous, en tout cas, c'est le bon moment qui est là. Là. Voilà, on n'a qu'à rester comme ça jusqu'à Ouattara va partir, jusqu'à il va reculer. Parce que sans vous là, vraiment, ça va être chaud. Sans vous, ça va être chaud. Mais je sais. Vous avez vu, les Guillaume Soro là, dans le passé là, eux ils ont aidé l'opposant Gbagbo Laurent à avoir multipartisme en Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui vous avez un frère, Kakabé Bouchon André, frère d'amour là. Lui, il est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Au moment tout le monde s'est rendu compte que Ouattara nous a trahis, c'est à ce moment là, lui ça s'est donné qu'il faut me mourir. En tout cas, bébé diable que tu as fait là, on l'a appelé la diablette. Comme ça là. Donc, abe bon parce que ngalo djula bala. Non, ngalo c'est nouveau bala ko yara bala parce que djula là c'est pas Côte d'Ivoire. Donc abe bon. Oh, Sami, il faut arrêter ça là ça. Donc Fessi là, Fessi, vous avez vu les Guillaume Soro? Eux là, eux ils sont rentrés dans l'histoire. Donc vous aussi là, vos générations là. Il faut que demain là, on dit un jour, ouais, il arrivait un moment en Côte d'Ivoire où le pays était en danger. Vous avez vu, non? Vous vivez mal. Vous êtes mal géré. CDAO est arrivé hier là. Ouattara qui est en train de tuer les gens. Il n'a pas parlé de Ouattara. Il s'est appuyé sur le procès. C'est comme si le juge condamnait le propriétaire et puis il libérait le voleur. C'est comme ça on dit, non? Voilà, donc c'est ce que la CDAO a fait hier. Donc ça à vous. Moi là, je ne peux pas être ministre, même député, même là. Je ne veux même pas même. C'est vrai, nous on fait vidéo, mais on doit s'aider. Voilà, je vous demande pardon, ne rentrez pas à la maison. Et je sais que vous n'allez pas rentrer à la maison. Abebo, on va mélanger dans sa main. On va lui montrer que ouais, nous là, on peut te combattre démocratiquement et puis tu vas tomber sans les armes. Et c'est ce que vous allez démontrer aujourd'hui. Sinon, depuis là, nous on sort là, on crie là. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on a attrapé un microbe? Et puis vous avez attrapé 10 bas microbes même aujourd'hui. Gros bras de. Gros bras de microbe. Et puis c'est Nike qui l'avait porté. Hein. Je suis Nike. Un microbe qui porte Nike. Donc maintenant pour finir la vidéo là, j'ai vu un groupe de guignols aujourd'hui. La fois passée, quand je parlais de Kanigi, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Voilà pourquoi je n'aime pas. Il a dit, même si tu es l'ami, ami de Guillaume Soro, là, quand moi je fais mes trucs là, il ne faut pas venir me dire, non, il faut laisser lui là. Vous avez compris, non? Parce que c'est moi qui ai commencé mon truc. Je n'ai pas été formé par quelqu'un. Donc, ma vieille, je suis un ancien. Je suis un ancien. Ça, c'est lunette quand on frappe les loups là. Ouais. J'ai vu des Rastaman aujourd'hui. C'est pas Rassi. J'ai même pas écouté. C'est mon ami qui m'a dit non, à partir de 31 minutes, il faut écouter. Qu'il y a quelqu'un qui appelle ancien président de Rassi.
qui appelle. Mon frère, tu penses que tu pèses? Hein? Toi, tu penses que tu pèses? Il faut dire, moi et mes amis là, on est trois, on est sur le banc ici là. On va voter le RHDP. Personne ne va partir avec vous. Personne. Non. Ouais, mais on est. Comment il y a ceux qui portent tes fois ma quatrième fier? Quand il appelle. Bon, Rassi la même. Hein? Vous êtes, tu es venu en France ici, moi il t'a vu. Et ce jour-là. Ami la blanche là, elle a dit qu'elle n'a aller faire photo avec toi. J'ai dit non. Wale Bilal, tu peux demander à l'Océni Kibafori. Vous pouvez demander à Ahmed, général, que non, le président Kanigi est assis là-bas. Il faut aller faire photo. J'ai dit, je ne vais pas. Et comme ça, parce que je ne sentais pas l'homme. Toi, moi, je suis comme ça. Mais moi, je ne peux pas me tout ce rôle à Alassane Ouattara. Dramani Ouattara. On est à Alassane Ouattara. Moi, quel est le pays qui est en ce moment? Quand on se promène avec toi-même, là, c'est-à-dire que tu ne sais rien. Quoi. Tu es là comme ça, tu ne fais pas geste. C'est quoi j'aime me promener avec Dadou? Lui, c'est un 10. Quand tu es avec lui, là, tu es bien servi. Tu vois? Donc, elle dit, ouais, il n'est qu'à aller faire photo avec lui. Il a dû monter ta roche. C'est pourquoi il est venu ici. Là. Regardez, je n'ai jamais fait photo avec lui. La fois passée, je parlais de Bassatigui, le gars qui était en costume là. Vous savez, garder sa dignité devant l'argent là, Dieu des banques là. Ah, c'est pas facile, hein? Il faut être un 10. Hein? Sinon, toi Bassatigui là, tu n'as jamais été en prison. Déjà, vous êtes dans vos trucs là-bas. Parfois, vous êtes dans vos. En anglais, on dit business. Déjà, vous êtes dans vos business là-bas. Comment toi, tu peux dire que ouais, Guillaume Soro t'a trahi? Il va te trahir. Toi, tu pèses quoi? Il est. Tu pèses comment? Tu as fait, ils ont tué enfant déjà, cadeau. Moi, un chef comme ça, là, je ne peux pas te suivre. Hein? Non! Il mange. J'ai pris 50 euros à mon ami ce soir-là. À cause de ça, il m'accompagne à la maison. Parce qu'il faut qu'il donne son argent. Sinon, vous voyez habituellement là. Mais tu vas payer, hein? Je t'ai transporté. C'est parce que j'ai oublié mon but de la maison. Donc Kanigi, il dit, il appelle lui et ses amis là à voter. Sinon Rassi là, tu es venu ici. Vous avez pris une petite salle ici. Tu gérais mal même le Rassi. Vous avez pris une petite salle ici. Tu n'étais même pas capable de remplir ça. Et c'est toi, tu vas dire aux gens, Jean, tu es trop arrivé quoi. Non, on t'a montré. Tu ne fais même pas un kilo même. Tu ne fais pas un kilo. Et puis tu vas voir, quand tu as fait tes sorties là, comme on voit Kakabe aujourd'hui. Quand ils sont là, c'est le RHDP ou bien RDR, les deux. Voilà, c'est eux, ils remplissent les cas là pour aller verser les petits djoulas là, là-bas, c'est tout. Donc toi aussi, quand tu vas commencer à sortir là, ils vont aller remplir ton coin là. Et puis tu vas voir, ceux qui sont allés avant toi là, eux, ils ont eu quel poste là-bas? Ceux qui sont partis, ceux qui ont trahi Guillaume Soro. Et puis elle vous dit quelque chose. Guillaume Soro là, il est dans l'opposition. Tu as marché avec Guillaume Soro. Guillaume Soro, tu as marché avec lui. Et arrivé devant, tu le trahis. Mais tu n'as plus de valeur. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Il y a eu quoi, quoi, sinon? Tous ceux, les Tazré, les Yaya, et puis ils sont tous apprentis là-bas. Mais ici, là, nous, on vous donnait de la valeur. Mais vous n'avez plus de valeur. Quand je regarde. Bassatigui, joli garçon, noir, André Wolofo. C'est dit, je ne comprends pas quoi. Mon vieux, pour toi là, je suis étonné quand même. Hein. Mais je savais que tu allais partir. Mais moi-même là, je suis étonné. J'ai dit, mais lui, il a quoi? Ils l'ont fait quoi? Ou bien il est menacé? Mais si tu n'es pas menacé là, il ne faut pas partir à cause des jetons. Mon vieux, ils ont fait 10 ans au pouvoir. Vous avez gagné quoi? 10 ans, ils ont fait au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez gagné? À part humiliation. Maintenant, les 10 ans sont finis. Et c'est maintenant là, ils se rappellent que ouais, vous êtes bon. Et c'est à ce moment-là, vous vous levez, allez s'humilier. Passez à quoi les hein? 10 ans, Ouattara ma foi, dame. Et vous n'étiez pas inconnu à l'époque. Et c'est maintenant là, ils se rappellent de vous.
C'est-à-dire vous utilisez comme préservatif. En tout cas, comme on le dit en Djula, quoi tabarabate peu. Ça c'est en Guinée, ça, c'est ça en gros m'a dit. Atabarabate peu. En gros m'a dit. C'est fini. Kanigi, tu n'as jamais pesé. Tu penses que ouais, c'est à cause de toi les gens sont allés au Rassi? Non. Il t'est trompé. Et puis quand tu parles là, mon vieux, il t'a dit quelque chose. Hein. Moi, Djoumani a dit quelque chose sur moi. Au moins, les imbéciles, là, ils avaient coupé ma vidéo. Où je disais, ouais, si vous ne faites pas attention là, moi là, hier parti au RHDP là. Ils ont coupé hier parti au RHDP là. Ils ont publié. Adjoumani a dit, il y a quelqu'un. C'est pourquoi je me fais appeler homme d'État. Parce que je parle avec les hommes d'État. Ce qui se passe là-bas, là, je suis au parfum. Adjoumani dit non, on n'a qu'à l'encourager. Comme ça, quand il va venir une fois ici, là, c'est fini. Ils ne vont plus le faire confiance de l'autre côté là-bas. C'est ce qui est arrivé à Tazré. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Yaya. Vous êtes des coussiers là-bas. Bon, j'imagine le vieux père, joli garçon là. Comment on appelle j'ai oublié son nom. Tu t'imagines, toi, ils vont te donner scooter là-bas pour être coursier. Et puis, campagne là, c'est bouclé. C'est bouclé pour eux là, c'est bouclé. C'est quel poste tu vas avoir? Vous allez avoir là-bas. Ah, tu sais qu'à poste, ils seront tournés. Non, c'est fini. It's finished. C'est ça, non? Voilà, je vais me promener avec mon ami là, parce que lui, il est bien. C'est ça, non? It's finished. Want? Mais c'est fini. Ah, t'as à la maragou. Ouais, tu as dit, ouais, Dieu, Sagneta, ils sont au pouvoir. Au Mafou, il faut Idama. 10 ans finis. Au moins, ils sont milliardaires là. Au moins, c'est chaud. Ils savent que demain, là, ils vont tomber. Parce que ça, là, pour garder ce pouvoir-là, il faut faire la guerre. Sinon, si ce n'est pas la guerre ou non, tu ne peux pas garder. Vous ne pouvez pas garder sans la guerre. Mais nous, on va vous combattre démocratiquement et puis vous allez tomber. Bon, vous allez dire quoi demain? Et puis, il n'y a pas pitié dedans, hein. Il n'y a pas pitié dedans. Donc, c'est pour dire à Kanigi, Guillaume Soro ne va jamais te répondre. Parce que le jour il va parler de ce problème-là, ah, Soro, ah, meni la marolo. Il y a tes mains propres. Jusqu'à après, il me revenir. Après, il y a fait comme ça. Il y a tes mains propres. Parce que Kanigi doit discuter avec nous. Tu n'as pas à te justifier. Parce que je n'ai pas écouté, mais la personne qui m'a dit ouais, il faut écouter à partir de 31 minutes là. Pour lui là, tu es avancé. Oh. C'est pourquoi on dit qu'il faut payer voiture avec classon là. Parce que je suis premier du membre. Classon, tu n'as là. Eh, madame, tu vas passer de. Sinon, il y a ma jeune, mais il y a la couleur. Il y a. Donc tu dis, bah, Guillaume Soro t'a trahi sur quoi? Qu'est-ce qu'il s'est dit, il t'a trahi sur... Il faut expliquer. Depuis que tu es en prison, ils t'ont donné l'argent. Et puis c'est toi qui as choisi les gens qui doivent sortir. Et s'ils n'étaient pas d'accord avec toi, eux, ils allaient rester là-bas. Et tes réunions là, avec les gens, dès que tu es sorti là, et puis c'est bizarre, c'est toi seul que tu peux voyager, les autres ne peuvent pas voyager. Hein? Kanigi, il retient un peu. Moi-même, je me disais, ah, j'ai dit vieux père là. Wale Bila, j'ai dit ça un jour. Hein. J'ai dit, ah, quand Soro va prendre pouvoir là, lui là, ministre de la justice ou bien truc, j'ai dit, mais on est, ils sont morts, les voyous sont morts. Parce qu'il ne va pas faire cadeau. Gars, il va aller vendre sa dignité. Cadeau comme ça. Toi-même là, ce que vous avez dit de Ouattara là, hein, tout le monde sait. Tu as blagué enfant des gens, Soro Cognon. À cause de toi, parce qu'il protégeait ta résidence. L'enfant est mort comme ça, cadeau. Il est mort, comment ça, Arturo? L'enfant est mort, cadeau. Ça fait même pas 4 ans. Toi déjà, tu viens vendre... Non, c'est dur, hein. C'est dur. Touré Alpha Yaya, là. Il m'a envoyé des captures. Touré Alpha Yaya là. Je suis un homme d'État, je ne dois pas trop parler. Quand tu commandais de l'argent là, ah, Kanigi il vit mal, Kanigi s'est rentré ici, s'est sorti ici. Vous allez vraiment tout dire. Parce que tu allais te mettre dans la merde, mon vieux. Tu allais y rêver la merde là.
tu peux me rendre un villageois. J'ai été ton grand bon à rétroviser. Non, sérieux. Parce qu'il faut pas, les gens vont se donner trop d'importance. Kanigi, Wale Bilay, c'est pas faux. Toi-même, tu le sais. Le raci que tu gérais là, 95% c'était pas pour toi. Aujourd'hui là, les gens qui font poste pour toi là, ils savent que c'est promesse. Ah non, et puis tu allais donner peut-être 500 000, 600 000, ouais, ils n'ont qu'à faire des déclarations. Sinon, toi-même, tu sais. Toi-même, tu connais. Soro t'a trahi. Tu dis Soro t'a trahi. Ok. Qui disait aux gens de ne pas aller dans les trucs de GPS? C'est Soro qui a fait GPS. Rassi, là, c'est lui qui l'a fait. Et puis, t'as nommé président. Ou bien, t'as été élu. En tout cas, tu étais ton choix pour dire, bon, mouvement ça, là, on met lui là, ici. Et là, là, tu vas voir maintenant. Et puis, quand tu parles, on a du respect pour toi parce que après l'amour, c'est pas la mort. C'est ça, non? Ou bien, c'est pas la guerre. Hein? Après l'amour, c'est pas la guerre. Après la mort, c'est pas la... Après l'amour, c'est pas la guerre. Après la mort, c'est pas la... C'est quoi, mais... Qu'est-ce que vous m'aidez? C'est moi ici de ta voix. Donc, je disais, après l'amour, c'est pas la guerre. Et après l'amour, c'est pas la mort. Voilà. Donc, dites à Kanigi, il n'a qu'à laisser le nom de Guillaume qui bafourit sur eux en paix. Ah, sinon, tu as mal dormi, hein. Parce que nous là, on est comme abeille. On est comme abeille dans mammite. Comme le gars l'a dit là. Le pasteur là. Tu vas entendre dans. C'est-à-dire, tellement on va te nettoyer. Tu entends tout à l'heure, même quand tu as dit, parce que les enfants là, ils vont. Ils ne vont pas te laisser. Parce qu'on ne va pas jouer avec toi. Donc il faut nous laisser en paix. Tu es parti, ça ne dérange personne. Et moi, c'était mon souhait même. Ton départ là, ça ne dérange personne. Ça ne fait pas chaud, ça ne fait pas froid. Donc il faut partir. Mais pour dire, ouais, tu vas aller t'asseoir, tu vas commencer à tirer sur Soro. Mon vieux, on te fait mal, hein. Dans la vidéo là, on te fait mal, on te déchancé même quoi. Ah oui. Ah, Doro Madouson, voilà, ça c'est mon nouveau nom américain ça. T'as vu le son qui est dessus là. C'est ça qui américanise mon nom. Doromadou Sonna. Ah, lui qui a erré. C'est-à-dire tous les Dabroujojo qui vont bourrer pour aller de l'autre côté là-bas. Faites vidéo. Si vous pensez que vous êtes trop puissant là, faites vidéo et puis on voit. Ah, les frappes de B50. Nina la Lionne. Mon vieux ici, mon Amo Djaki. Le général Ahmed. Annie Colonel. On est l'Océanie qui bafouri. Keita des États-Unis. Mon vieux mort de valeur, Aston Martin. La guêpe. Et puis le Doro Madou. Non, le Doro Madou sonne. Tu peux encaisser. Arturo aussi. On est nombreux. Tu peux ça là, tu peux encaisser. On te met propre. Zot dans le carton. Toi-même, tu as dit ouais. Bah, nous là, quand on a toi là. Tu penses qu'on n'est pas puissant. C'est-à-dire, tu ne. Oh, oh, oh! Fais un verre là. Il doit dominer. Sur côté école. Non, c'est pas Madouson. Quoi que c'est pas Madouson. Doro Madouson. Ah, il faut que Doro Madouson. Là, comme ça. C'est-à-dire, c'est même pas Doro Madouson. Hein. Il faut dire ça dans l'accent de Koyara, les Swahili de Makono. Nous, là, c'est Swahili, nous, on parle. Il faut que Doro Madouson. Comme ça, ça sonne bien. Donc, à Betouya Franyoka, vous êtes libre. Parce que nous-mêmes, là, on mène un combat aujourd'hui de liberté, d'expression, liberté sur tous les plans. Donc, on ne va pas, mais pour dire que vous avez un dossier sur Soro là, Ouattara, il n'a pas de dossier sur Soro. Donc, vous là, vous ne pouvez pas avoir de dossier sur Soro. Voilà, donc, même nous, quand on a poussé, nous, par exemple, souvent là, quand ton vieux me revêt que tu n'iras avec quelqu'un, puis tu appelles de la personne, quand il te pousse là, tu. Il dit, cocari, il ne peut pas qu'il me sache. Donc, quand ils vont te pousser là, il faut faire attention. Ouais, Jackie Swat, excusez-moi, je vois flou. Il pleut, non? Non, je suis glacé.
Donc voilà, pour voilà, c'était pour vous dire ça. Et puis l'ancien garant à Kanigi, voilà. Par exemple, tu penses que tu es lion. Nous, on n'est plus lion que toi. Nous, on est dangereux, hein, mon vieux. Hein? Parce que tu ne peux pas sentir. Quand on frappe sur les autres, là, toi, tu ne peux pas sentir parce que tu étais avec nous. Mais ça, c'est quand tu vas aller te mettre dans nos champs de tir, là. Et tu sais dribbler. Tu vois les rafales là. Quand ils envoient, c'est-à-dire quand ils laguent les bombes là. Et puis ils enchaînent avec balle là. De manière ça descend là, c'est comme ça on te fait. Donc il faut te calmer. On va pas te manquer de respect. Mais on va te parler dans le sens de la politique. Et ça va te faire très très mal. Parce qu'on a beaucoup de choses. Hein. Même Touré Alpha Yaya là, causerie à une femme. Et toi-même là. Toi-même tu as causé à une femme. Touré Alpha Yaya m'a envoyé capture ça là. Donc je te dis tout ça là pour ne pas qu'on sorte sur toi. Donc il faut aller moulou moulou. On a beaucoup de choses. Ko Kacha, on te protégeait. Et puis même nous-mêmes, on voulait organiser un truc même là. Je comprends pourquoi tu es parti. Nous les cyberactivistes là, il a dit ça aujourd'hui. On voulait manger. On a organisé un truc. Et c'est moi qui me suis... Ouais, c'est moi qui j'ai eu l'idée. J'ai dit non. Comment on fait une vidéo là? On n'a qu'à faire un petit show. On va inviter les gens, on prend les coins. Donc, le CENI, Soulé, tout le monde, Ahmed, Konaté, ils ont dit oui, bon, ce qu'on va faire, chacun va appeler son gars. Mais moi, il n'y avait pas de gars à appeler. Tout le monde a appelé son gars. Oui, on a besoin de 1000 euros, on doit faire un show, tout ça là, on doit faire une première sortie, comme c'est nous, les cyberactivistes, Roïs. Non. On a appelé Kanigi. Je ne sais pas qui l'a expliqué même. Non, André. Attends, est-ce que c'est moi? Parce que Ahmed a appelé Touré Alpha hier. Excusez-moi les gars, mais il y a un GZP. Ahmed a appelé Touré Alpha hier. Coucou, c'est son gars. L'OCENI a appelé Fofana. Il y a un vieux père à Fofana, un gars de Soro là. Et puis, est-ce que je l'ai appelé? Ouais, je crois que je l'ai appelé à Poussidon. Il y a un truc comme ça. Donc, tout le monde devrait appeler. Bon, comme moi, je dis que je suis malin là. Moi, je suis. Non, c'est moi qui ai appelé Kanigi. Il a dit non, il va voir. Alibi. Et puis, parmi. C'est pourquoi, quand je vois les gens qui disent ouais, ceux-là, ils sont payés, ceux-là, ils sont payés. Pour faire chaud même là, ils ont refusé de nous donner l'air. Mais on est toujours dedans. Pour faire chaud, on a expliqué même. Et Kanigi m'a dit, il faut aller faire, comment on dit ça même, il y a chose, que il faut aller faire un devis. Va voir dans le coin, tu fais un devis. Et puis, le gars, il a fait juste ça, on devrait aller faire ça, Eric Sachi. Sachi ou bien ça quoi là. Donc, on a fait ça, il a tapé dans l'ordinateur. Vieux, ben, si tu dirais la vidéo là, pourquoi on n'est plus parti là? J'ai dit au gars, non, il n'a qu'à mettre caché. Tellement on veut faire un bon truc. On a fait photo de ça là, chacun a envoyé chez son gars. Voici mon wardama. Personne n'a donné like. Moi si j'ai pas appelé le gars, j'ai pas fait retour au gars pour dire non, ma ward sera. J'ai dit non, les mouvements, on est dans plein de choses en même temps. Quoi. Donc, jusqu'aujourd'hui. Tu vois, donc si on vient proposer l'argent à ce dernier là, je sais qu'il ne va pas refuser. Parce que les gens pensent qu'on fait la politique pour s'enrichir. Voilà pourquoi vous avez toujours problème à la fin de vos mandats. La politique là, normalement tu viens pour arranger parce que tu es candidat. Parce que c'est ce que tu dis aux gens. Je suis candidat parce que j'aime mon pays. Je vais aider mon pays. C'est ça un bon politicien. Mais quand vous venez là, vous volez tout. C'est pourquoi à la fin de vos mandats là, vous avez du mal à partir. Ah, c'est pas bien. Donc, quand tu fais politique, parce que Alboui Samabe politique qui est là pour s'enrichir, c'est ce qui fait qu'ils arrivent à vous acheter. Moi, j'ai aimé Alassane Ouattara. Je l'ai aimé. Voici mon gars ici. Mon gars là, il est là, là. Ange, il est assis à côté de moi ici. 2015 là. On n'a pas. Moi-même là, moi j'ai gagné 1 euro. Il y a 1,50 euro café. Ils ont payé ça pour nous. Mais lui, il n'a rien eu.
Allez ma fouille sur un métal tour Eiffel là, on va faire le montage, les quoi, on a fait plein de choses, tout, moro madame. Donc je change de camp aujourd'hui, parce que je vois que l'homme qui est là, il a menti aux Ivoiriens. Et vous venez embrouiller les gens. Ah, viens à la maison. Moi, je vous ai dit que dehors, Nimika, bon, comment vous venez? Viens à la maison. Donc, voilà pourquoi ils arrivent à acheter les gens là. Sinon, les gars ne changent pas de camp parce que où ils vont partir là, il y a la vérité là-bas. Non, c'est l'argent. Moi-même, ils m'ont dragué comme ça, petit. Politique là. On fait pour être riche. Les cadres. Parce que, tu sais, quand tu fais secret les gens, non, il ne faut pas tout dire. Les cadres du RHDP, mon petit, il ne faut pas faire ça. Sinon, tu as sorti 0-1. Hein? Lui que tu suis là, est-ce que tu es celui qui va être président? Je dis oui. Non, mon petit, il faut le laisser. Viens, nous, on te donner l'argent. Je dis non, gardez votre argent là. Car Villa a proposé. Pourtant, il y a des gens aujourd'hui là, au beau sang, il y a le fleuriste là. Oka, allez ça, il est parti au pays. Allez, mobile au madame. J'ai même chambraillé au madame. Et puis un vieux sorcier. Allah est réveillé à quoi là quoi. Car et puis il est vilain. Il a l'honneur, Zulu là. Il est moche comme ça. On dirait problème de foyer. Il est dans son grand-père. Mais il ne faut pas se mentir. Hein. Là, il est devenu propre. Hein. Son teint, l'argent, les 7000 euros qu'il a eu là. On dit, l'argent là. Il n'y a pas odeur dessus, mais quand tu n'as pas là, ça se sent. Zulu, gagne l'argent. Mon vieux, tu es mauvais. Hein? Voici ton formateur qui est là. Toi, on te donne 7000 euros. Ils ont pris bien. Mais vieux, ben, tu as déconné aussi. Hein? Papa, qui est-ce que tu as dit? Il ne sait même pas. C'est-à-dire, il vient s'asseoir ici. Avec deux ballons. Papa? Bah, ça va? Eddy? Ouais, il sait. Allons à la maison. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai oublié, non. J'ai pas mis l'argent avant de sortir. Car ce qu'il m'a oublié là. Mon fils, là, il aime l'argent d'André Zulu. Où? Non. Non, là-bas, je peux pas garer. Ça, c'est le bus. Non. Vas-y. Arrête-toi, si ou bien rentre à la maison, j'arrive. Il est que le même. Il est la margarine là. Je vais reculer la poubelle là. Comme ça, je vais me mettre. Non, les morts là, souvent quand ils débordent là. Non, autoï. Bon, j'arrive, hein, juste une minute, s'il vous plaît. Mon fils, s'il te plaît, écoute. Ouais, il m'a vu. Il y a des gens, ils sont. Donc voilà, c'était mon direct de ce soir pour m'adresser au Luba Microp et à Kanigi. Voilà, distributeur d'ordinateur. Il est micro pour. Ordinateur, nous, ni virus, il là, on cherche antivirus. Ah, il est levé dans l'homme, Roma, couleur dans l'ordinateur tranya. Je voulais vous couleur. Là, blanc noir. Là, mouya ourouda. Allez, salam alaikum.